Je dois finir Minecraft, mais mon XP égale une transformation. Les gars, on approche des 80 000 abonnés, donc abonnez-vous maintenant pour atteindre ce palier. Comme ça, on essaye de battre le record de la dernière vidéo. Et du coup, vous pourrez sûrement apparaître dans la prochaine vidéo. Et c'est parti. Ok les gars, je viens de commencer et on dirait que je suis bien un poulpe. Mais regardez-moi ça. Par contre, je vois que je perds des bulles, donc faut vite que je trouve de l'eau, s'il vous plaît. Sinon, je vais mourir ici. Et oui, il y a une source d'eau juste ici. Allez, go, 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 go. Attendez, je veux juste voir. Est-ce que je perds des cœurs? Mais oui, je perds des cœurs. Ah, tant qu'on est dans l'eau, les gars, on survit bien sûr. Je vais prendre un peu de bois. Je vais galérer à le prendre, mais vas-y, c'est pas grave. Regardez, je casse avec ma toute petite main. Et ok, nickel, j'ai obtenu 4 bûches. Maintenant, les gars, attendez, vous savez quoi? Je vais me crafter des outils. Parce que là, le problème, les gars, c'est que je peux pas me balader dans l'air. Sinon, je vais prendre des dégâts. Donc là, le truc, c'est que je vais devoir rester ici. Le temps de me faire des petits outils, mais en vrai, c'est très simple. Et maintenant que je me suis fait une épée, une pioche. Mais les gars, faudrait que je mine du minerai ou que je tue des animaux. Il me faut de l'XP là. Je suis juste un poulpe. Regardez-moi ça. C'est nul. En plus, j'ai plus de nourriture déjà. Attendez, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux me balader rapidement comme ça. Pour voilà, par exemple, choper une vache. Vite, 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 avant que mes cœurs s'arrêtent. Ok, nickel. Ça fait pas assez d'XP. Faut vite que je retourne dans l'eau, sinon je vais mourir. Aïe, 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 aïe. Vite, vite. En plus, j'ai que 3 cœurs. Ok, nickel. Ouh, j'ai eu peur. Je vais me faire des outils en pierre. Ça va peut-être me faire un peu plus d'XP. Après, en vrai, je peux essayer de me faire cuire un truc. Vous savez quoi? C'est ce que je vais essayer de faire pour me faire un minimum d'XP. Donc, je vais mettre par exemple du bœuf et je vais mettre des planches. Nickel. Pendant ce temps, je vais voir s'il n'y a pas un autre animal. Et au pire, je vais récupérer du bois. Les gars, je suis bloqué. C'est horrible. La vidéo commence très mal. Ok, boum, j'ai récupéré un steak. Et en fait, non, les gars, ça nous fait rien en XP. Je suis dégoûté. Au moins, je peux manger. Voilà, je suis un poulpe carnivore. Je mange de la viande. D'ailleurs, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous êtes végétarien ou carnivore. Moi, ça m'intéresse beaucoup pour savoir si mes abonnés mangent des humains ou pas. Je rigole, bien sûr. Hein. Donc, bon, les gars, je vais me récupérer le four et l'établi. Et maintenant, ma mission, c'est de trouver des animaux les plus proches. Parce que là, le problème, c'est que mes bulles, elles vont bientôt mourir. Si mes bulles meurent, eh ben, moi aussi, je meurs. Donc là, s'il vous plaît, ou au moins de l'eau, un peu d'eau, s'il vous plaît. J'ai pas d'eau. Y a pas d'eau, y a pas d'eau, y a pas d'eau. Au secours. Au secours. Oui, y a de l'eau là-bas. Non, perds des dégâts. Non, vite, vite. Oh, c'est bon. Ok, nickel. Là, il y a du charbon et là, il y a un poulpe. Oh, désolé, mon confrère. Je te bute. Allez, boum. Voilà. Oh, j'ai été changé en quoi? En mouton. Oui, let's go. Je peux aller sur la terre ferme. Oh, c'est génial. Enfin. Bon, maintenant qu'on a un petit mouton, les gars, je peux déjà me choper. Par exemple, ah oui, voilà, j'ai rajouté un mode où ça rajoute des animaux. Et par exemple, là, il y a un géant poisson. D'ailleurs, en tant que mouton, je devrais brouter de l'herbe, mais il n'y a pas d'herbe à l'horizon. Donc, comment je fais? Moi, j'ai l'habitude de manger beaucoup d'herbe. Mais attention, il faut pas la fumer, l'herbe. Sinon, c'est pas bien. Faudrait que je trouve des choses intéressantes. Vous savez quoi? J'aimerais bien avoir un oiseau. Parce que, les gars, grâce à l'oiseau, eh bien, je pourrais voler. Et oui, donc c'est pour ça, il me faut vite un oiseau. Et comme ça après les gars, je serai surcheaté. On m'appellera le mouton cheaté. Ok, je suis bientôt niveau 2, peut-être que ce poulpe là va faire l'affaire. Attention, et c'est parti. Niveau 2 s'il te plaît, oui, et j'ai été changé en axolot, quoi. Oh les gars, je suis tout minuscule, regardez-moi ça, c'est moi. C'est le petit axolot, bon c'est pas très intéressant. Il nous faudrait mieux, par contre là, je suis tout petit, c'est horrible. Regardez-moi ça, je suis juste un petit axolot qui se balade dans la prairie, là ce qui est bien avec l'axolot. Ah non, j'ai cru que je pouvais nager sous l'eau. Ah mais si, je peux nager sous l'eau, regardez, ma barre s'épuise pas. Donc lui, il est ambidextre, les gars. C'est-à-dire qu'il respire sous l'eau et dans l'eau. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais vous m'avez compris. Ah, les gars, il nous faut vraiment de l'XP. Comment je pourrais faire? Et puis au pire, vous savez quoi? On va se balader. Oula, mon axolot il bug. Déjà là, ce qu'il nous faudrait, c'est de la nourriture. Parce que sinon, je vais mourir de faim. Y'a un loup, y'a un loup. Au secours, y'a un loup. Genre, y'a pas des grottes ou je sais pas quoi pour que je mine là. Déjà, oh, je vois qu'il y a une lush cave juste en bas. On va y aller juste après, je pense. Mais y a pas un petit truc intéressant? Oh, déjà, je vois qu'il y a des moutons. Parfait, ça va me faire de l'XP. Alors, boum. Normalement, un autre mouton et je vais pouvoir évoluer. Attention, on va voir l'évolution ensemble et boum, un lapin. Alors je sais pas ce que ça me change, mais on va voir ce que ça change. Par contre, j'ai vraiment encore moins de cœur. Est-ce que je saute plus haut? Genre, est-ce que je peux sauter deux blocs par exemple? Non, pas du tout. C'est trop nul. Oh, regardez, on a plein d'animaux. On a un cochon juste ici que tu vas venir dans mon assiette, toi. Voilà, nickel. Ensuite, on a des loups. Les loups, je vais pas les attaquer puisqu'ils sont en meute. Et oh, il y a un village. Voilà, nickel. Donc regardez, je vois qu'il y a de la fumée ici et il y a un petit village. Nickel. Alors, qu'est-ce qui me préserve? Déjà pas grand-chose. Par contre, il y a ce petit four. On va s'en servir. On va mettre ça là. On va mettre ça là, nickel. Et du coup, les gars, qu'est-ce qui se trame dans ce petit village? Qu'est-ce que tu nous échanges? 20 blés contre une émeraude. Parce que les PNJ peuvent nous faire de l'XP, les gars. Et ça, faut pas l'oublier. D'ailleurs, il me faudrait encore plus d'XP. Ici, il y a juste un coffre avec wesh! Une jambière en fer, plastron en fer, épée en fer. Mais c'est quoi ça? On va tout de suite les mettre. Est-ce que ça me change une apparence? Pas du tout. Wesh! Il y a un villageois qui s'appelle Didier. Qu'est-ce qu'il. Wow! 16 terres contre 10 fioles d'expérience. Mais toi. Toi, mon Didier, on va te garder. Là, les gars, je vais farmer de la terre jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Et les gars, pendant que je suis en train de miner, est-ce que vous avez des petits animaux de compagnie? Moi, les gars, avant, j'avais un lapin. Il s'appelait Bambou et il est mort.
J'étais très triste. Mais bon, il m'a beaucoup tenu compagnie, je l'aimais beaucoup. Bon les gars, j'ai farmé 2 stacks de terre. Et maintenant, on va voir ce que Didier peut nous proposer. Du coup, allez mon petit Didier, viens là. Donc, t'as ça, je vais t'en prendre plein, s'il te plaît. Et j'ai eu 1 stack et 16 fioles. Faut déjà passer à l'animal prochain. Attention, qu'est-ce que c'est? Et c'est un cheval squelette. En vrai, j'ai beaucoup de cœur, mais je sais pas si ça nous sert à grand chose. Déjà, c'est un peu encombrant. Parce que les gars, regardez, je peux pas passer dans les blocs de 2 de profondeur comme ça. Donc on va changer. Et j'ai un poisson. Non, pas un poisson, je vais mourir. Ok, waouh, je suis un géant zombie. Attendez, quoi? J'arrive même pas à me voir en entier. Est-ce que je tape de loin? Ah non, je tape pas de loin. Bon, c'est un peu nul, mais c'est un truc de malade. Déjà, oh, il y a un autre village là-bas, parfait. T'as quoi? Je vais même limite augmenter ma render distance. Je vais la mettre à 32. Comme ça, on va bien voir ce qui se passe très loin. Il y a un village juste là-bas. En vrai, bon, vous savez quoi? Non, je peux pas l'atteindre. Oh non, dommage. Oh, ça c'est dommage. Bon, en vrai, je pensais que j'allais être un peu plus cheaté que ça, mais je suis pas si cheaté que ça. C'est un peu nul. Bon, c'est dommage. Et c'est assez encombrant. Regardez, je peux pas passer partout. Bon, c'est pas grave. On va se changer, attention. Et boum, je suis devenu une chauve-souris. Let's go. Regardez les gars, je peux voler. Ah, oh, ça c'est parfait. C'est le mob parfait les gars. Il passe partout, on peut se balader un peu partout. Donc je vous le dis, on va le garder un sacré bout de temps. Alors déjà attendez, on va récupérer ça pour nous faire des petits pains. Ensuite par la même occasion les gars, je vais passer dans les maisons, aller chercher ce qu'il y a dans les coffres, pas grand chose. Oh, du charbon tiens. Ah par contre le problème c'est que puisque je suis en vol, regardez, je mine hyper doucement. Et ça c'est vraiment pas fun. Ah voilà, je me fais une petite pioche en pierre, nickel. J'ai plus besoin de ça, j'ai plus besoin de ça. Et il y a pas d'autres bottes de foin, donc vous savez quoi, je vais aller au village. Par contre les gars, j'espère ça m'utilise pas trop de bouffe hein. Non là, on est dans le caca. D'ailleurs, je pourrais trouver un lac de lave aussi. Ça, ça serait intéressant. Donc boum, des bottes de foin juste ici, ça c'est parfait. Je vous jure les gars, de voler, c'est vraiment un cheat code. Déjà, est-ce que par exemple le golem, est-ce que je pourrais le tabasser? Qui m'atteint? Non, il m'atteint même pas. Voilà, allez, nickel. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Tu te fais manger par une chauve-souris? Eh ben, moi un jour j'ai mangé une chauve-souris et j'ai eu le Covid-19. Voilà, dans les dents. Oh, wesh, regardez, il y a, ah, il y a une copulation de sangliers et en plus il m'attaque. Attention, mais qu'est-ce que c'est? Vas-y, toi, viens là, je te tue. Voilà, boum, boum. Oh non, attendez, ça me fait de la peine. Le bébé vient juste de naître. Bon, j'ai juste récupéré la bouffe. Voilà, nickel. Et maintenant, je l'ai laissé tranquille. Bon, oh les gars, c'est un cheat code. J'ai vraiment l'impression d'être en créatif. Boum, 60 pains, ça c'est parfait. Donc là, déjà, j'ai 3 fers. Donc je pourrais me faire un petit saut pour préparer le portail. Et maintenant, j'ai juste à trouver un lac de lave. Et là, ça va être compliqué. Je viens d'avoir un flashback, les gars. Tout à l'heure, on avait trouvé un truc pour aller dans les Lush Caves. Et dans les grosses grottes, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des lacs de lave. Mais en me mettant comme ça, les gars, regardez. Puisque déjà, je vois qu'il y a un autre village juste là-bas. Mais attendez, mais c'est un truc de taré là. Regardez, il y a un village là-bas. Il y avait un autre village tout là-bas. Et il y a un autre village là-bas. Et là, je pourrais aller voir dans les coffres ce qui s'y cache. Et après, promis, on va dans. Oh, qu'est-ce que je viens de voir? Il y a un portail tout là-bas. Les gars, j'ai une seed parfaite, j'ai l'impression. C'est un truc de malade. Mais il y a un autre village! Regardez! Mais c'est pas possible! Alors, soit c'est parce que j'ai une render distance de fou et du coup, je vois de hyper loin. Là, ça fait de malade. Bon, il y a une tunique en cuir, mais j'ai une tunique en fer, donc ça sert à rien. Ici, il y a du pain, on prend. Mais bon, en vrai, vous savez quoi? Je trouve que je suis déjà assez cheat en chauve-souris. Donc, on va se diriger directement vers le petit portail qui avait juste là-bas. Hop là, petit portail, me voilà. Et c'est vraiment incroyable d'aller très vite comme ça, j'adore. Donc boum, nickel. Il y a quoi? Il y a du briquet, des bottes, malédiction de quoi? Malédiction de disparition, c'est pas très grave. Et je vois qu'on a un peu de lave. Ça devrait peut-être suffire. Mais par contre, ce qu'on n'a pas, c'est une pioche en fer. Et en vrai, ça sera utile pour miner les blocs d'or dans le nether. Et du coup, les gars, je me suis fait la pioche en fer. Et j'ai commencé à crafter le portail, mais j'ai pas réussi. Donc bon, j'ai fait une petite erreur. Je vais devoir casser ce bloc. Maintenant, je dois tout refaire. Donc boum, voilà, nickel. Et il ne manque plus que les 2 blocs en bas. Et le portail est fini. Et le problème pour les 2 blocs en bas, c'est que j'ai aucun moyen d'avoir de la lave. Donc peut-être que sous les magmas il y en a, ça m'étonnerait. Et ok, il y a de la lave juste ici, parfait. Bon, là faut pas que je me rate, boum. Une source de lave là, est-ce qu'il y a une source de lave ici? Pas du tout, est-ce qu'il y a une source de lave ici? Yes, et boum, voilà, le portail du Nether fait. Ah non, je peux aller dedans, c'est parfait. Et vous savez quoi, en vrai c'est nul d'être tout le temps en chauve-souris. Donc on va changer ça, et boum, j'ai été changé en villageois, oh, nickel. Bah c'est parti, on va aller dans le Nether. D'ailleurs les gars, j'ai appris à parler villageois, donc écoutez ça. Regardez, c'est bluffant de ouf. Vous avez vu, je suis trop fort hein. Donc bon, où est-ce qu'on peut aller? Là, je vais pas vous mentir que la chauve-souris elle m'aurait été bien utile. Vous savez quoi, hop, on va se mettre un petit peu d'XP. En vrai, c'est trop cheaté. Et je suis un invocateur. Alors ce qui est bien avec l'invocateur, c'est que regardez, quand j'appuie sur une touche, et bien boum, et bien voilà, je lâche des lames. C'est un pouvoir trop cheaté, ça fait super mal. Mais là, le problème, c'est que je n'ai pas de bloc. Donc je vais devoir encore me changer. Et je suis un gardien, je vole pas. Et en plus, je vais mourir puisqu'il n'y a pas d'eau, au secours.
lourd. J'ai été changé en lapin, on l'a déjà eu. Je suis un vagabond. Vagabond, c'est quoi? Oh, c'est nul. Qu'est-ce que je suis là? Je suis encore un vagabond. C'est pas fou. Et attention là, qu'est-ce que je suis? Je suis un pillard. C'est nul. Là, je suis un chat. Miaou. Et là, je suis un grand gardien que je suis mort. Bon, les gars, j'ai récupéré mon stuff. Je suis passé niveau 17 et j'ai été transformé en poule. Alors, ce qui est bien en poule, c'est que regardez ce que je peux faire, c'est que je peux sauter et je prendrai pas de dégâts. Parce que voilà, je sais pas pourquoi la poule, elle ralentit la chute. Enfin, si, je sais pourquoi, parce qu'elle a des plumes. Mais bon, ça me suffit pas. Moi, les gars, il me faut un mob beaucoup plus intéressant. Donc là, par exemple, je suis un Piglin. Et le Piglin, mais attendez, il a gavé de cœur le Piglin. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, ça serait une petite forteresse. Tiens, tiens, tiens. Et c'est nickel parce qu'il y en a une juste ici. Donc, boum, on va pouvoir s'infiltrer. Est-ce qu'il m'attaque? Oui, il m'attaque. Mais je suis ton copain! Je suis ton copain! Regarde-moi! Oh! Putain! Il m'a fait mal. Bon, lui, il m'attaque pas, mais c'est parce que j'ai les bottes. Si j'enlève les bottes, ok. Ah, non. Regardez, il bug. Bon, c'est plutôt drôle. Aïe, 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 aïe! Au secours! Il me fait mal! Mais je vais m'enfuir d'ici. Ils sont trop méchants, mes copains. Et sinon, les gars, pour que la vidéo soit pas trop longue, je vais aller chercher les Blaze Rods et on se retrouve après. Alors, les gars, vous allez rire, puisqu'en fait, j'ai chopé les 12 bâtons de Blaze. Mais ce que vous savez pas, c'est que je me suis transformé en Ghast. Regardez-moi ça, là. On peut même pas me voir en entier. Bon, au moins, voilà, je peux voler et je peux tirer des boules. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, aussi, j'ai une autre mauvaise nouvelle, sinon, c'est pas drôle. C'est qu'il me reste que 9 fioles d'XP. Donc, en fait, là, le problème, c'est que, si je retrouve un portail, je pourrais pas passer dedans. Ou alors, faut que je fasse un portail immense. Bon, au moins, ce qui est cool, c'est que j'ai trouvé un bastion. Mais du coup, ce qui est moins cool, c'est que je suis un Ghast. Et par contre, attendez, au pire, vous savez quoi? Je vais me poser. Voilà, tranquillement, avec vous. J'ai été changé en quoi? En Zoglin. Ah, mais je crois que dans le Nether, les mobs comme ça, ils sont accentués. Donc, bon, il faut que je me change en Piglin là. Vite, allez, j'utilise mes dernières fioles et j'ai été changé en poulpe. Je vais mourir. Je vais mourir. Non, je vais mourir. Il me faut du quartz. Il me faut du quartz. Vite, du quartz. S'il vous plaît, du quartz. Sinon, je vais mourir d'asphyxie. Vite, 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 s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Ah, 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 vite. Oh, ok, nickel. J'ai été changé en tortue. En tortue. Oh, ça fait du bien. Je peux respirer sur la terre ferme, mais c'est pas assez ouf, les gars. Nous, on veut un bon truc. Donc, ça et quoi? On va miner beaucoup de quartz. En plus, il n'y a plus Didier avec nous. D'ailleurs, petit quiz, si vous êtes arrivé jusqu'ici, Didier, c'était qui dans la vidéo? Réponse A, c'était un PNJ. Réponse B, c'est mon meilleur ami dans la vraie vie. Réponse C, c'est mon père. Réponse D, c'est ma mère. Devinez. Et quoi, attention, je vais me transformer. Et j'ai été changé en marchand de lama. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais récupérer l'or. Et puis, c'est parti, hein. Tant pis, c'est pas grave. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai beaucoup d'or, nickel. J'ai des flèches. Oh, il me faudra un arc, c'est vrai. Et c'est tout. Bon, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 blocs d'or, nickel. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Une épée butin, on s'en fiche. Une pomme d'or, on va la prendre. Ici, nous avons agilité des âmes. Oh, ça peut servir ça. Tac, nickel. Et là, j'ai quoi? Agilité des âmes, ça sert à rien. Et bon, on a que du caca. Bon, vous savez quoi? Je vais farmer vite fait et on se retrouve après. Bon, les gars, après peut-être 4000 heures de farm, voilà, j'en ai ramené plein. Alors, on va drop tout ce qu'on a looté tout à l'heure. C'est-à-dire pas beaucoup. Hop, voilà, tenez les petits. Et s'il vous plaît, donnez-moi beaucoup de trucs ou donnez-moi de l'XP. J'en ai marre, les gars, depuis tout à l'heure, je suis un lama, c'est chiant. D'ailleurs, pendant ce temps, vous savez quoi? On va se drop beaucoup d'XP. Oh, les gars, attendez, je vais peut-être passer niveau 24 juste avec le quartz, s'il vous plaît. Je veux changer, mais ne mettez pas un truc aquatique. J'ai été quoi? En zombie. Ok, bon, ça sert à rien, mais on prend quand même. Hein. Alors, qu'est-ce que vous m'avez échangé, les petits? Ok, nickel. Oh, 16 enderpearls, parfait. Et une petite popo de résistance au feu, ça peut bien servir. De l'obsidienne, ouais, on va garder. Encore une popo de résistance au feu. Et 13. Mais attendez, quoi? Il y avait gavé d'enderpearls. Bon, au moins, on va pouvoir se casser. Et je pense que, les gars, je vais faire un petit tour par Didier. Et on se retrouve après. Ok, les gars, je suis un peu débile. Je viens de remarquer que mon enregistrement était sur pause. Ça veut dire que je sais pas quand je l'ai mis sur pause. Mais je crois que je l'ai mis dans le Nether. Donc, récapitulons. Déjà, les gars, j'ai réussi à obtenir 16 perles de l'Ender et 13 perles de l'Ender. Ensuite, j'ai réussi à choper 12 bâtons de Blaze. Ça, je crois qu'on l'avait déjà vu. J'ai été changé en zombie. Je suis revenu ici au village pour essayer de changer de la terre avec Didier contre des fioles d'XP. Mais j'étais un zombie. Du coup, ça marchait pas. Donc, j'ai dû farmer des animaux pour me changer en âne. Et me voilà aujourd'hui. Du coup, je vais aller changer ça à Didier. Hein. Regardez-moi ça. Il est juste là-bas, le petit Didier. Allez, viens là. Fiole d'XP. Parfait. Boum, c'est parfait. Nickel. J'ai 60 fioles. On va passer niveau 26. Et j'ai été changé en vindicateur. Ça, c'est nul. Il me faudrait en fait un petit oiseau pour pouvoir naviguer en toute tranquillité et aller chercher le stronghold. J'ai pas assez de fioles d'XP. J'ai été changé en mouton. Oh, nous revoilà au début. Les gars, après des heures de farming, me revoilà avec 5 stacks de terre. Donc là, je vous dis, le petit Didier, il va faire l'affaire du siècle. Voilà, il adore la terre, c'est génial. Et boum, j'ai eu plein de stacks. Donc, allez, il nous faut juste un tout petit oiseau. En cheval zombie, c'est nul. Ensuite, en quoi on se change? En vindicateur, je sais pas ce que c'est, on s'en branle. Allez, on change. En shulker box, quoi? Pardon, c'est nul. Ensuite, il nous faut quoi? Un dragon! Waouh! Bon, je m'attendais pas à ça, mais en fait, c'est génial. Alors, dites-vous là, on a le mob le plus puissant du jeu. En plus, je crois que je peux cracher des trucs. Voilà, nickel. Donc, on va essayer de se faire les petits yeux de l'end pour aller battre l'ender dragon, justement. Donc, pour aller me battre moi. Nickel, j'en ai 16 et on va commencer à les jeter. Donc, faut aller par où? Faut aller par tout là-bas. Ben, c'est parti. Et let's go, je vais vous mettre tout ça en accéléré.
Ok les gars, apparemment je viens de trouver l'endroit. Ça devrait être en dessous ici là, par là. Parce qu'en fait je vois que depuis tout à l'heure ça tourne en rond. Ouais voilà, regardez, c'est par là, moi je vous le dis. Ok nickel, bon je suis juste au dessus là du coup. Là le truc c'est que en tant que dragon, mais je peux pas aller bien loin hein, parce que je suis un peu trop gros. Donc je vais voir si je peux, non je peux pas creuser avec ça, c'est dommage. Donc je vais devoir me changer en quelque chose d'autre. Ok, j'ai été changé en poulpe luisant. Ok nickel, bon parce que je suis dans l'eau. Mais nous c'est pas ce qu'il nous faut nous. Nous il nous faut un meilleur truc, j'ai été changé en chèvre. Mais c'est nul la chèvre, c'est nul. Je veux quelque chose d'autre moi, voilà. En piglin, c'est nul, allez encore un autre. Et par contre j'ai plus beaucoup de soldes d'XP donc bon. En zombie géant, alors là ça c'est vraiment naze, vous savez quoi en fait. Regardez, là je suis un loup, mais je vais prendre le loup, je vais garder le loup. Et par contre je vais prendre l'autre pour l'ender dragon. Attention j'arrive à la salle et oh nickel. Bon où est-ce que je suis, on arrive dans une espèce de petite salle et attendez. Oh mais c'est parfait, je suis arrivé au parfait endroit. Par contre vite les silverfish, non s'il vous plaît dégage de là. T'es pas mon copain, faut vite que je me change en autre mob. Au secours, oh non je peux pas me changer, il faut encore de l'XP. Au secours, et j'ai été changé en noyer. Oh non c'est nul, regardez les gars, je suis changé en ça. Oh pour finir l'ender dragon c'est trop nul. Bon on va mettre tous les yeux, hop là c'est parti. Dans 3, 2, 1, go. Et boum je viens d'arriver, nickel. Je peux maintenant aller buter l'ender dragon hein. Voilà ça c'est parfait, et attendez en vrai vous savez quoi, je peux me changer en à peu près tous ces mobs. J'ai aucun mob qui vole à part le ghast. Donc vous savez quoi, on va se changer en ghast hein. Ça fait pas partie du jeu mais c'est pas grave, c'est ma vidéo. Et on va commencer à tirer sur les trucs comme ça hein. Voilà nickel, ensuite on tire sur ça. Ensuite on peut tirer sur ça. Comme ça je détruis toutes les tours, et boum voilà j'ai détruit toutes les tours. Maintenant j'ai juste à m'occuper du petit dragon. Allez viens là que je te bats. Voilà boule, bataille de boule, regardez moi ça. Combat épique qui arrive en destination de du Grand Prix Explorer. Je sais pas ce que je raconte, regardez moi ça les amis. C'est un combat vraiment exclusif que nous avons là, c'est un peu nul, je vous l'avoue. En tout cas, le combat est là. Je vais attendre qu'il se pose. Voilà, boum, je lui fais des petits dégâts pendant qu'il est posé, nickel. Et pendant qu'il vomit, c'est comme le pote bourré en soirée. Je l'allume, je l'atomise de mes boules de feu. Mais ça fait pas beaucoup de dégâts. Aïe, aïe, aïe. Bon, au final, ça fait pas de dégâts. Vous savez quoi, je vais me give des XP bottles. Ah, je vais m'en give 500, c'est nickel. On va se poser tranquillou bilou ici et on va se boire tout ça. Allez, c'est parti. En espérant devenir un bon petit mob. Je suis devenu un mouton, c'est un peu nul. Maintenant, je suis devenu un zombie, c'est encore plus nul. Maintenant, je suis devenu une araignée, c'est encore plus nul. Hein, je suis devenu quoi? Un zombie géant. Allez, viens là. Je sais pas si je pourrais le tuer. Je vais manger la petite pomme d'or. Attention les amis. Et je ne lui fais pas dégâts. J'arrive même pas à l'atteindre. Oh là, c'est trop nul. On va encore boire des popos d'XP. Je suis devenu un cube de magma. Oh, c'est trop nul. Je suis devenu quoi là? Un poisson. Oh non, je vais mourir. Si j'ai pas d'eau, je meurs. Si j'ai pas d'eau, je meurs. Attention. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Un creeper. Un creeper que bien sûr je vais faire péter. Et je suis mort par l'Enderman. Oh les gars, ça fait du bien d'être redevenu moi-même. J'ai enfin mon zizi.